Miguel. Selon Mwanantsemi, il estime que pas de terre, pas de patrie. Et Mwanantsemi a parlé de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la province du Kivu. Il estime que Vital Kamerhe est une grande personne qui peut défendre ou faire de si gestion et des bonnes et peut entretenir de bonnes relations entre la RDC et les pays voisins. Donc selon lui, Vital Kamerhe est le vrai et le seul président qui peut être élu en novembre 2011. Suivez la réaction de Mwanantsemi. Qu'est-ce que c'est le patriotisme? On vous dira que le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Et qu'est-ce que c'est la patrie? En vérité, notre patrie, votre patrie, c'est notre pays. Et qu'est-ce que c'est le pays? Mais le pays, c'est la terre. Là où il n'y a pas de terre, il n'y a pas de patrie. Il n'y a pas de pays. Et nous allons faire une hypothèse. Si la pointe des pieds d'abord, avec le temps, cette hypothèse pourrait se confirmer. L'hypothèse est la suivante. La République démocratique du Congo, notre pays, a trop souffert, particulièrement dans sa province du Kivu. Alors voici mon hypothèse. Mais cherchons un patriote du Kivu. Passons-lui la présidence. Afin qu'il puisse défendre la province du Kivu et le faire dans la sagesse et les bonnes relations entre les États voisins de la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. S'il faut rappeler qu'au cours de cette cérémonie, premièrement, l'objectif qui s'est assigné cette plateforme est celui de faire élire le président de l'UNC et l'autorité morale de ses partis politiques à la présidentielle de la République démocratique du Congo. Et deuxièmement, gagner la majorité parlementaire à tous les niveaux. Et enfin, en troisième position, mettre en place un gouvernement représentatif de membres de la plateforme. Au cours de cette activité, Vital Kamerhe n'a pas manqué des mots. Il a déclaré que l'opposition ne constitue qu'un tremplin afin de conquérir les pouvoirs. Suivez la déclaration de Vital Kamerhe. Mama Zakolei, sa 80% de la population congolaise. Azakola Mouka, 4 heures du matin, côté Kamapa. Kokenegoto Kamai. Anibajene, Osala Mosala, ya Bamba. Population congolaise. 60% ya jeunes. Et bongo tango na Silisi université. Nazara 26 ans balobi nanga papa aux jeunes. Ministre Lombea Azuingai, coordonnateur ya celui la planification enseignement supérieur et universitaire. Professeur Nyembo Shabani Azuinga assistant na université. Na commune à 30 ans balobi ozakaka jeunes. Ministre Mouchobe Kokalimba Wakatana, paix à son âme, Azuinga, directeur de cabinet à l'enseignement supérieur et universitaire. Nakomi na 40 ans, Babi Ozakaka, jeune. Général Kaloum Azuinga, na service national, après directeur de cabinet, na reconstruction directeur de cabinet adjoint. Nakomi na 41 ans, Balobi Kaka, jeune. Mzé Laurent Désiré Kabila Zwingai, vice-ministre commissaire général adjoint chargé ya paix. Na komi na 45 ans, 43 ans balobi Ozakaka jeune. Joseph Kabila Azuinga commissaire général chargé du suivi du processus de paix na lobi naye. Merci mingi. Lelo to sali élection. Na 47 ans, Balobi, jeune. PPRD, na baninga MLC, na ba parti Misusu, na Assemblée nationale, ba voté ngai. 400 députés, ba voté ngai sur 420. Na lobi na bango, merci Ming. Na Kambi, Assemblée nationale.
Moko na moko na biso il faut assumer passé na ye. Toza biso bana ya 1900 moto bangisa moninga. Oye zalinde apéritif ça bo été hein. Ami na comprendre malamu te samba kaputo expliquer. Alobi kamba yango lokola mosengo. Nabi ya solo kokangwa bi ya solo. Nabi bon, nous allons mettre l'église au milieu du village. Na lobi ngana kosale la kaka peuple congolais. Pe na kosale la parti na ngai pe perdre. Soki makambo ba sengi ngai eza ko kene na nzela oyo ya bolamo ya peuple. Tala député national yewana. Soko komi na niveau oyo peuple ya ponaki yo. Azana posa o tchele mai. Parti politique no lobi no mbongo e foto i bango. Totia na ma poche na biso. Député mandat na yoza non impératif. Il faut landa oyo. Peuple azali kozela pona yo. Tozui likambwa wa na mboka ya Jean-Pierre Bemba. Kabila gagné ba élection. Discussion mounene. Ils appellent pas secret de tate. Nabi monsieur le président, au gagné. Tout ça à loko la Jésus-Christ. To longwa e pa na to kende ko pesa Jean-Pierre Bemba mbote pe to yebisa ye ke avant d'agné azana mboka na ye eloka mabe e ko komela ye te. Télévision eza radio te bomona ka bilili yango. Après massacre ko beta wa ngai président ya Assemblée nationale. Appartenant à la majorité présidentielle, n'a condamné Ango, c'est Katende Wanda Imbouledi, rapporteur à l'époque, nous attendons à communiquer à la conférence des présidents, où il était stipulé clairement que le président de l'Assemblée nationale condamne les attaques à l'arme lourde dans la ville de Kinshasa. Qui a fait ça dans le passé? À l'époque du président Mobutu, Premier ministre ou président de l'Assemblée, oui, bisa Mobutu que non, ngana condamné lokosala ki na mboka boye mboka boye. Est-ce que opposition ko leka ona ezali? Donc discussion ya makambo ke kamera za opposante na za kusuki sango leloyo. E ko atake bato ya bundu dia Congo na ba Congo. Est-ce que bomona ki ngai te nandimi motion oyo ba député basaki l'Assemblée nationale tout en étant de la majorité nabi ministre intérieur yaka awa o expliquer biso na nou malamo ndenge nini police na biso moko oké ko beta masasi na ba peuple congolais o bazaka na banzete ya pamba opposition ko lekana ezali. Ne mwanda se miasha kei na pesa kie 3 heures de temps ya parole ngana banda ko kata na ngabu tu parole te loba na yo soko silisi mususu ko loba pe na ko fanda na kiti na okende pe toilette te na ko fanda kaka wana ti toko silisa bwete ko vitalite zali bwete ke au moment où les cicatrices le plaies j'allais dire des Congolais ne s'étaient pas encore cicatrisés à la suite de l'occupation rwandaise et ougandaise, qu'on vient nous dire à l'Assemblée nationale que le Rwanda vient pour faire la paix au Congo. J'ai dit, prenons un cas de figure. Aujourd'hui, on demande à la Palestine d'aller faire la paix en Israël, ou à l'Israël d'aller faire la paix en Palestine, sans dialoguer. Sans préalable. J'ai dit, mais ça, nous aurons, monsieur le président, des problèmes avec ce peuple de l'Est qui vous a voté à 98%. On m'a demandé de revenir sur ma parole, j'ai dit non. Le même jour, le chef d'état-major général de l'armée, le général Didier Toumba revenant de Kisangani, sur Radio Okapi, avait dit la même chose. Mais le soir, il est passé sur la RTNC pour se dédire. Moi, j'ai assumé 58 jours d'Iran, j'ai résisté et j'ai refusé de rendre les marteaux de l'Assemblée nationale dans la rue. J'ai dit, monsieur le président, par respect pour vous et par l'amour pour le Congo,
Je vais démissionner, bien que vous n'ayez aucune prérogative qui vous donne le droit de démissionner un président de la Chambre. Il y a la séparation de pouvoir. Mais je l'ai fait pour éviter la répétition de l'affaire Kasavubu Lumumba. Sans dévier inutilement notre pays. Ça, ce n'est pas l'opposition, ça. Pour moi, l'opposition, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire un politique qui est au fait le relais des aspirations profondes de son peuple. Un point, un trait. Voilà, vous venez de suivre cette cérémonie de la signature de la charte de cette formation politique AVK Alliance de Vital Kamerhe. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur le site de www.kongomikili.com. À la prochaine. Merci à vous. On est là, tout sur le Congo, on est clair.